surfeur français Jérémy Flores fait toujours un tube dans les vagues d'Hawaï. Comme en 2010, le Réunionnais conclut sa saison en beauté en remportant l'épreuve la plus prestigieuse, le Pipeline Masters. Sur le North Shore d'Oahu, il bat John John Florence au terme d'un duel de très haut niveau. Ah, c'est un rêve de gagner la compétition la plus légendaire dans le monde du surf, le Pipeline Master contre John John Florence en finale à la dernière seconde. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. C'est la victoire la plus énorme de ma carrière. John John Florence se console largement en empochant son deuxième titre consécutif de champion du monde. L'Hawaïen qui n'a gagné qu'une seule étape cette année a surtout fait preuve d'une grande régularité. Pourquoi fait la couronne aux dépens du Brésilien Gabriel Medina.